L'aventure Star Academy 2023 est terminée pour Elena. La jeune femme a été éliminée à l'issue du prime diffusé le 27 janvier, sur TF1. Au lendemain de cet événement, elle a pris la parole sur Instagram. Et une fois de plus, Pierre était dans ses pensées, de façon subtile. Si est-ce avec Pierre que son aventure a commencé par un duo lors du premier prime de la Star Academy 2023, si est-ce avec lui qu'elle l'a terminé. Si est-ce Elena qui a été éliminée à l'issue du prime du 27 janvier 2024. Au lendemain de son départ, la jolie Belge de 21 ans a brisé le silence sur Instagram. Avec un petit clin d'œil à Pierre. À l'instar des 12 autres candidats, Elena a été révélée au grand public le 4 novembre dernier. Elle qui se cachait dans sa chambre pour chanter s'est retrouvée propulsée sous le feu des projecteurs, en plein prime time. Et d'emblée, elle a séduit avec sa douce voix. Malgré ses problèmes de rythme récurrents, la belle blonde s'est hissée jusqu'en demi-finale grâce à sa grande évolution au fil des semaines. Une semaine après la qualification de Julien face à Axel, c'était à son tour d'affronter Pierre. Un déchirement pour le public qui adorait leur duo. Elena brise le silence après son élimination au fil des semaines, Pierre et elle se sont rapprochés au point de faire naître des rumeurs de couple. Kev Adams ou encore Maître Gims n'ont d'ailleurs pas manqué de les taquiner sur le sujet. A-t-elle donc fait exprès de lui faire un clin d'œil discret après son élimination? Comme ses prédécesseurs, Elena s'est exprimée sur Instagram après son départ. Oh waouh, a-t-elle tout d'abord écrit. Des mots que le beau blond de 21 ans prononce tout le temps et qu'elle s'est donc elle aussi mise à utiliser. Et de poursuivre, quelle surprise, je n'aime même pas les mots. Je vous remercierai jamais assez pour tout l'amour que vous m'avez apporté jusqu'ici. Quelle aventure! Je sors de cette expérience la tête pleine de souvenirs et j'ai hâte d'en créer de nouveau avec vous. À bientôt. Afin d'illustrer ses propos, Elena a choisi une photo prise lors de son duo avec Lara Fabian sur J'y crois encore. L'un des moments qui restera, à coup sûr, gravé dans sa mémoire. Désormais, si est-ce à elle d'écrire la suite de son histoire. Et elle pourra notamment compter sur le soutien de la répétitrice Marlène Schaff. Ma chère Elena, que ta route soit longue. Je serai évidemment là, sur ton chemin, tu n'auras qu'à tendre la main, a-t-elle écrit en story Instagram.